Les indépendants cette année ont une ambition simple, celle de révéler au public, avec ce thème « Comment peindre la Joconde en évitant les craquelures », révéler au public les 5 secrets des chefs-d'œuvre, à travers la composition, le dessin, la couleur, la perspective, l'anatomie, montrer comment est une peinture, comment elle est faite, comment il faut la voir, révéler en quelque sorte ses secrets. Et en même temps, nous avons installé 25 ateliers en activité où le grand public pourra s'initier aux 25 techniques d'art appliqué qui sont installées dans le Grand Palais. Évidemment, il y a les 2500 sociétaires et Horizon Jeunesse qui complètent le panorama de cette peinture contemporaine et des jeunes. Raison particulière du choix des ateliers d'art appliqué et dans notre esprit était une prolongation de cette démonstration que nous faisions montrant comment on peint, comment on compose, comment on dessine, comment on utilise la perspective, etc. C'est une sorte de prolongation aux techniques picturales, aux outils que l'on utilise dans la peinture, l'histoire des outils que nous montrons également, comment est la gomme, comment on dessinait au Moyen-Âge, avec une pointe d'argent, il n'y avait pas de graphite, il n'y avait pas de crayon, etc. On montre tous les outils, donc c'était une continuation logique des arts dans les arts appliqués, puisqu'il y a un centre national de l'aérographie qui permet d'apprendre à peindre avec l'aérographe. Il y a 25 ateliers qui dépendent du ministère de la Culture et du ministère de l'Éducation nationale, et des ateliers privés que nous avons sollicités pour montrer les techniques particulières des arts appliqués. Alors il y a l'école Estienne, l'école Boulle, les arts appliqués, l'ANSAAMA. Ces ateliers fonctionnent avec l'animation des élèves et des professeurs de ces écoles, ou bien le public peut aussi s'initier à ces techniques. Thank you.
Toutes les tendances contemporaines aux indépendants, c'est-à-dire les peintres réalistes, ça va du réalisme à l'abstraction, ça va des expressionnistes aux surréalistes, etc. Évidemment, il y a la sculpture, la gravure, les arts décoratifs sont représentés, toutes ces tendances, toutes ces techniques sont représentées au sein du salon et exposées suivant un plan de placement qui est changé tous les ans et qui est tiré au sort. Ce qui fait que, vous voyez, ça obéit à une justice totale. Un jeune qui sort d'une école des beaux-arts, par exemple, et qui n'intéresse pas encore pas les galeries ni la clientèle, eh bien, il traverse un no man's land de solitude. Et les indépendants, étant un salon sans jury à entrée libre, lui permettent d'exposer et de voir sa peinture parmi celles de ses confrères. Et c'est un immense avantage, car jusqu'à ce qu'une galerie ou un marchand s'intéresse à son travail, c'est le seul endroit en France, où il puisse montrer sa peinture. Voilà un chef-d'œuvre de Cézanne, les grandes baigneuses, auquel il a imposé un rythme triangulaire dans une scène qui devrait être très naturelle. Il a imposé ce rythme triangulaire qui monte vers le ciel, contredite par des diagonales, et d'une scène où les personnages devraient être composés comme par exemple dans le Déjeuner sur l'herbe de Manet. Ici, il a triché et il a imposé ce rythme vraiment cadencé, oblique, je dirais féroce pour composer à sa manière cadastrale en quelque sorte.
Regardez ce chef-d'œuvre de Piero della Francesca, la visite de la reine de Saba au roi Salomon. Voyez comme il triche avec la perspective. Sur ce schéma, on voit les têtes rapprochées à la même hauteur, les épaules qui se touchent. Voici maintenant ce que donnerait une perspective tout à fait respectée. La formidable émotion moderne provoquée par la photo aérienne chez Cézanne est sensible même dans ses natures mortes. Par exemple, celle-ci au panier, on observe que si on prolongeait la table, il fait reculer après le torchon le bord droit de sa table, qui lui permet de reculer le panier qui ne repose pas sur la table, qui est dans le vide, et cela lui permet de placer sa chaise beaucoup plus haut, et c'est-à-dire qu'il a, l'intention et il la réalise de rabattre les plans, ce qui provoque cette peinture plus murale que si elle avait été conçue d'une manière réaliste, n'est-ce pas ? Un recul, un deuxième recul, un troisième recul, et la peinture, expliquée ici dans le croquis, a une plus grande muralité, et c'est issu de l'émotion de la photo aérienne.